Ma spécialité dans l'IA, de base pour avoir eu un parcours créa, c'est d'avoir commencé par ça, de voir, d'avoir exploré les limites entre la créativité, la création, la technicité de la créa et l'intelligence artificielle. Et je voulais voir justement jusqu'à quel point la technologie pouvait devenir créative et jusqu'à quel point la créativité devenait technologique. Et en fait, j'ai trouvé ce média qui est l'intelligence artificielle qui reliait complètement ces deux outils-là. Ma spécialité au niveau de l'IA, c'est l'intelligence artificielle dans l'industrie musicale. Donc comment ça intervient au niveau de la créativité, à quel moment dans la composition je vais utiliser l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle intervient, mais aussi au niveau de la distribution, de la communication, de marketing, toutes ces questions que ça pose là, moi c'est de ça que je parle. Jusque-là, tout simplement, l'usage de l'IA, il est très simple. Le temps, le coût et la qualité, sachant que la qualité, j'aurais toujours pu trouver quelqu'un qui fasse pareil, voire mieux. Mais tout simplement, j'ai un outil qui est à disposition, qui est gratuit, qui me fait des images de la communication du texte en 10-20 secondes. Donc en fait, j'ai trouvé un média complet. Et moi, aujourd'hui, j'ai automatisé tous des outils de communication avec l'IA. Donc en fait, je l'ai fait pour moi et je le fais pour les autres aussi. Donc en fait, j'ai vraiment encore une fois, ces deux casquettes qui se confrontent, où j'utilise l'IA à des fins de communication et où je montre à des agences de communication comment utiliser l'IA. Donc encore une fois, la dualité. Dans le cadre d'une reformulation de quelque chose qui a déjà été produit à l'IA, c'est compliqué parce qu'une intelligence artificielle est incapable de faire exactement deux fois la même chose. Donc à chaque fois, elle repartira de zéro. On pourra lui donner des éléments, ce qu'on appelle raffiner l'intelligence artificielle, mais pour autant, à chaque fois, elle repartira sur quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que, en effet, le besoin sur la personnalisation pure, on a encore besoin de l'humain pour faire ça. L'IA dans le métier du son est utilisée à peu près à toutes les étapes, notamment de créatif, du process de création, au process de distribution. Du A à Z, on a des outils d'IA qui peuvent être utilisés. Dans la composition, par exemple, je peux demander à l'IA de m'aider à trouver une partie de composition. Par exemple, elle peut me composer une ligne de basse si je ne sais pas jouer de basse. Elle peut aussi m'aider à trouver des nouvelles sonorités. Par exemple, je peux créer un nouveau son de synthétiseur grâce à des études d'IA parce qu'ils vont être capables de mixer des sons qui existent déjà pour en fabriquer un nouveau. Ensuite, par exemple, au niveau de la distribution, je peux utiliser les IA grâce à des nouveaux outils de distribution qui permettent d'accéder à n'importe quelle musique grâce à des outils de recherche naturelle qui sont mis en place grâce à des intelligences artificielles. Pour moi, le choc, ça a été quand j'ai vu que l'art pouvait être un sujet pour l'IA. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle, c'était quelque chose qui allait m'aider à faire ma compta, ou à faire mes tâches administratives, ou peut-être m'aider à être plus productif. Quand j'ai vu que l'IA s'intéressait à l'art et pouvait produire quelque chose de créatif, là, ça m'a fait un grand choc parce que pour moi, l'art, c'était quelque chose qui était réservé à l'être humain. Et en fait, quand j'ai vu que les machines pouvaient aussi créer un tableau, de la musique, etc., ça m'a fait un grand choc. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu cette frontière dépassée par la machine. Oui, le modèle de ChatGPT-4 avec la boîte vocale, c'est intéressant. Moi, ce qui m'impressionne plus, c'est le modèle de connexion avec Be My Eyes parce que pour connaître des personnes non-voyantes, il y a vraiment quelque chose qui a été fait avec cette solution de ChatGPT au niveau du handicap. Et c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, l'une des plus grandes innovations technologiques, c'est quand elle sert l'humanité avec un grand H. Et le fait qu'on puisse lui parler aussi, évidemment, ça vient, en fait, ça remplace les films de science-fiction qu'on a vus sur l'IA qui accompagne au quotidien. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en effet, ce qu'elle va remplacer en premier, c'est le rôle de l'assistant. C'est, en effet, tout ce qui est automatisable, tout ce qu'on n'a pas envie de faire, que ce soit du mailing, que ce soit tout simplement de la stratégie de communication sur des basses communication. Oui, l'IA est le premier pilier qui va intervenir sur tous les métiers automatisables, mais tout simplement, on regarde pour les caisses électroniques, c'est exactement pareil. Ça va être exactement pareil pour toutes les tâches répétitives. Dans le terme des remplacements d'emplois dans les métiers de la communication, bien sûr qu'il y a une crainte. On part du principe que l'IA va impacter 90% des métiers. La communication est l'un des premiers métiers touchés pour moi pour avoir longtemps travaillé dedans. Donc l'objectif aujourd'hui pour moi, c'est de sensibiliser les gens à ces outils-là pour qu'ils puissent incorporer ce qui leur sont utiles, extraire ceux qui ne sont pas utiles pour eux. Mais en tout cas, bien sûr qu'il y a une crainte parce qu'en effet,
Aujourd'hui, quelqu'un qui utilise bien l'intelligence artificielle, pour moi, peut monter une agence de communication lui tout seul. Maintenant, bon bah, même si la loi dit pas mal de choses, je pense que l'encadrement et la technologie pour contrer tout ça devraient arriver. Hein. Logiquement, c'est souvent comme ça. C'est d'abord l'innovation arrive, ensuite l'encadrement et les technologies qui permettent de les encadrer arrivent. Néanmoins, pour moi, ouais, c'est tout ce qui est atteinte à la personnalité, donc l'image, la voix. J'espère que ça répond un peu à la question, mais pour moi, c'est ça qui est le plus dangereux avec ces outils d'IA. Au niveau de la confidentialité de tout ce qu'il y a autour, de la perte des données, de la prudence qu'il y a autour de cette thématique, le sujet est très simple. Une IA a besoin de données pour apprendre et devenir ce qu'elle est, mais du coup, elle apprend de tout ce qu'elle trouve. Donc en fait, à partir du moment où vous partagez quelque chose sur Internet, l'IA, l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Mistral, DALL-E, l'utilise. Quand c'est du texte, c'est ce que vous allez écrire. Quand c'est de l'image, c'est tout ce que vous allez poster. Et aujourd'hui, on est capable de générer des images comme Léonard de Vinci. On est capable d'écrire comme Baudelaire. Donc aujourd'hui, entre guillemets, tout le monde, enfin une IA s'inspire de tout ce qu'elle voit, des personnalités, des gens normaux. Et c'est pour ça que tout ce que vous allez lui donner, elle s'en servira. De l'exception qui a été faite par le législateur européen, qui en fait autorise la fouille par algorithme sur une base de données protégée. Et ça, par exemple, c'est une loi qui est sortie qui vraiment en fait dit à tout le monde « Ok, c'est bon, vos algorithmes peuvent s'entraîner sur des bases de données protégées. » Ça pose pas mal de questions. L'idée, c'est que tant que le produit fini ne reprend pas des extraits protégés, c'est ok, mais ça pose des questions. Ça pose des questions éthiques et en tout cas, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Dans 5 à 10 ans, tout simplement, les métiers de l'intelligence artificielle, ils sont en train d'évoluer, les technologies aussi. Donc aujourd'hui, tous les jours, on a une nouvelle nouveauté de l'IA. Je pense intimement que dans 5 à 10 ans, la législation aura encadré l'IA, mais je pense aussi qu'elle aura atteint des sommets techniques absolument phénoménaux. Rien que ce soit au niveau du handicap, aujourd'hui, l'intelligence artificielle bien utilisée, pour moi, dans 2 ans, saura créer un œil bionique pour remplacer les personnes atteintes de cécité visuelle, de cécité auditive. Donc en fait, on est face à une technologie qui va continuer à évoluer au niveau de la tech, qui va servir, ou peut-être même desservir, l'humanité en général. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout au niveau du droit qu'il va y avoir une prise de conscience. Par rapport aux opportunités, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, là, ce qui pourrait être hyper intéressant, je pense, c'est les nouvelles sonorités, tout ce qu'on peut avoir qui peut ouvrir un nouveau champ de... En fait, c'est comme si on avait plein de nouveaux outils à notre disposition, nous artistes, pour écrire des musiques. Et ben voilà, on crée des nouveaux sons. J'ai hâte de voir en fait à quoi vont ressembler les musiques dans 10 ans, quoi. Je pense qu'on aura des bonnes surprises.